Pendant 15 siècles, ils ont régné sur la France. Monarques de droit divin, ils recevaient la responsabilité de leur pays et du bien-être de leurs sujets. Au cœur de leur somptueux château, ils vivaient dans le luxe. Mais la cour pouvait être le théâtre d'intrigues et de conspirations machiavéliques, de meurtres et de drames terribles. Ils se sont battus pour leur pays, mais parfois les guerres ne servaient que leur gloire. Aujourd'hui encore, rayonne leur majesté. Au XVIIe siècle, la France était la plus grande nation d'Europe. Et Louis XIV en était la magnifique image. Il était né pour tenir ce rôle, pour être celui qui allait régner 72 ans sur la France, plus longtemps que tout autre roi de l'histoire. Tout jeune, il fut associé au brillant dieu du soleil, Apollon. Et c'est ainsi que, plus tard, on l'appela communément le roi soleil. Tous les portraits de Louis XIV nous donnent l'image d'un roi héroïque, un véritable Apollon, une réplique d'Alexandre le Grand. Mais il faut savoir que les portraits donnent seulement l'image du roi et non le naturel de l'homme. Alors, est-ce que Louis XIV était beau ? Saint-Simon parlait d'effarante majesté qui troublait et impressionnait ses sujets. Venez découvrir l'histoire des rois de France.